Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitzadri, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo Random Rush, c'est l'épisode 5 je crois ou 6, je sais plus. 4, 2, 6, je crois. 7 même, non? Il y a 4, 2 actuellement. Donc c'est l'épisode 7, Ouais, 7. peut-être la finale de la part de Sushuk, c'est pas impossible. Pour rien de vous cacher, on a déjà tourné cet épisode, j'ai fait complètement de la merde sur le tournage et du coup on est obligé de le retourner. Normalement c'était Sacha qui avait gagné, du coup on m'octroie une nouvelle chance quelque part. Sacha est bon joueur. Tout à fait, tout à fait. Mais va falloir poser la chance, pousser la chance trop loin quand Va même. falloir pousser la chance 3. Imagine, je remonte Ouais. sur ça, tu serais bien dégoûté quand même. Parce que là, du coup, bah, au final, en termes de saison, il y a 2-2. Pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, la chaîne de Sushuk sera dans la description. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, mes bros. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube aussi et à vous abonner à la mienne si ce n'est pas encore fait. On veut un maximum de pouces bleus sur chaque épisode du Random Rush, les bros. Et on est parti tout de suite pour le tirage au Est-ce qu'on se sort. mettrait pas un objectif de 2000 pouces bleus sur ta vidéo? Allez, 2000 pouces bleus, les gars. Et n'oubliez pas très surtout que la nouvelle saison est déjà en préparation. On a entendu vos remarques pour la nouvelle saison. Et ça va arriver très prochainement. De toute façon, ça va arriver directement à la fin de celle-ci. Ça arrivera la nouvelle saison. C'est en préparation. Écoute, est-ce que tu es prêt, mon cher, pour le tirage au sort? Je suis Et un prêt, gros alors big up, un gros gros big up à Krusty pour l'overlay. Dites-nous ce que vous en pensez, les gars, de l'overlay dans les commentaires. Moi, personnellement, je kiffe. Après, un gros big up à Krusty, à lui de nous l'avoir fait. Et donc, dites-nous. On l'a payé cher. Hein. Gros merci à Krusty, ouais. Voilà. Ouais, ça nous a coûté un bras. Juste une petite truc chez moi, parce que vous voyez que j'ai bien trié par perso, mais sur la globale depuis la mise à jour, je sais pas exactement ce qui a changé, qui fait que du coup les persos ont changé de place, mais en gros, les lignes ne sont plus les mêmes. Genre avant, mon GTA 4 était dans la dernière ligne, maintenant il est première ligne. Voilà. Ok, donc, ouais, du coup ça a... Juste pour vous dire que je n'ai pas changé quelque chose, c'est comme ça, c'est le jeu, ça a changé. Ok, du coup ça a complètement changé. Alors tu as toujours bien 23 lignes, n'est-ce pas? Ben oui, il me semble bien. Donc ce sera la ligne 16 pour commencer. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ouais. La ligne 16, c'est le personnage numéro 4. Où il s'agit? Alors, je vais bien vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ouais, où il s'agit. Ok, impeccable. Pas terrible pour moi, pour toi, mais pour moi, c'est impeccable. Qu'est-ce que je veux dire? T'as le super C17, du coup, là? Ouais, Spédis. Okay. Spédis, ok. Ça marche. Alors, que j'ai SP avec les C17 Endurance, et j'ai mis 4 yokai parce que j'avais plus de médailles pour les C17 Tech. Malheureusement, j'avais plus d'endurance, donc okay. Je vais pas réinvoquer pour avoir ça. Enfin bref. Tu sais, j'ai qui moi? Non. J'ai Galinx ou moi? Ah, t'as Trunks LR? Non, il est pas LR encore, ça va. Mais pour les prochains, okay. Ils seront LR. Ça va, ça va. Ligne 14, numéro 3. Ok, ligne 14, numéro 3, c'est le V. Oula, c'est bizarre ça. Attends, je vais vérifier. Non, j'ai bien trié. C'est Végétothèque, ok. Végétothèque. Je pensais pas qu'il était à la fin, lui, mais ouais, c'est ça. Ok. Bah, c'est un peu mieux que Wiss Agilité quand même. Pour toi, ça sera la ligne 13, donc 3 lignes en dessous de celle du Wiss Agilité. C'était la ligne combien, la Wiss Agilité? La 16. Et là, c'est la 13? Ouais. 16, 15, 14, 13, ouais. Et le 3. Trunks GT Puissance. Trunks GT Puissance, ok. Il est SP3. Ok, pas de doublon. Si, mais j'ai quasiment pas monté son arme. Ok. Ligne 11, numéro 3. Alors, 14, 13, 12, 11. Attends, 15, 14, 13, 12, 11. Numéro 3? Oui. Ah putain, j'allais dire je peux pas, mais en fait, si je peux, c'est le C17 Technique. Super C17 Technique, tu sais. Le super C17. Ah oui, bah oui, bah celui qui est... Tu l'as passé en UR? Ouais, je l'ai passé en UR parce qu'il va très très bien avec le LR Zaha Black. Il est très bon dans la Team Tech. Très bonne carte. D'accord, ok. Okay. Bah du coup, pour toi, ça sera la ligne numéro 22. Putain, mais maintenant que mes meilleures cartes sont au début, il me donne plus une seule... Mais mec, à la fin, avant, je te donnais tout le temps les dernières lignes, arrête quoi. T'avais tout le temps les Ouais, bah justement, maintenant tu me donnes plus les premières. Vas-y. Le personnage numéro 1. Goku Technique, celui qui envoie des Kikoa ouais, vers le bas, Super Saiyajin 2 là. Lui tu sais c'est un support qui a des dégâts immenses quoi. C'est le seul du jeu je crois d'ailleurs. Support qui a des dégâts immenses. Ki plus 3 pour le G-Tech et puissance, ça ouais exact. Ok. Allez, ligne numéro 1 pour ouais. toi. Numéro 4. Je peux pas. C'était okay. pas Attack Timebreaker, j'aurais bien aimé mais. Bah numéro 1, tu retires tout. Ok, je retire tout, donc vas-y, dis-moi tout, faut que tu m'en tires 3 du coup. Ligne 9, alors, numéro 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. Attends, je vais recompter. En vrai, je suis pas trop mécontent quand même. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, numéro 4. Ouais. Le Trunks GT Technique, ok. Ouais, encore ligne 9. Ah bon. Numéro 1. D'accord, bah, il est Trunks Ikari Endurance. Ok. Team Trunks. Ligne 8.
Non, c'est impossible, je vais me tirer un Trunks encore, mec. Je te jure, ligne 8, numéro 5. Le kit Trunks technique, MDR, mec. Tu m'as tiré 3 Trunks, c'est chaud quand même. Bon, tu me diras, niveau lien, ça devrait bien marcher, logiquement. Vu que... Attention, ligne 1. Oh. Numéro 1, MG. C'est impossible, putain, c'est dingue. Mec, sérieux? Mais oui, sérieux, gros. Bon, vas-y, retire-moi encore mes persos, du coup. Mais non. Ligne 13. Ok. Numéro 2. 14. Piccolo TUR du Tenkaichi Budokai. Numéro 7. Ligne 7, pardon. Ouais. Numéro 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Numéro 4. Oui. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est Gotenks SSJ3 technique, double en bas à droite, Spedis. Bah, il fallait bien qu'à un moment donné, il tombe sur des bons persos. Ah bah, 4 fois qu'on retire. Putain. Ligne 5. Ouais. Numéro 4. Ah non, c'est ce que je viens de te dire, ça. Okay. Non, tu m'as dit 7. 1, 2, 3, 4, 5. Numéro 4, c'est God Coup Puissance. Ouais. Ok. Encore un, non? Ouais, je crois. Ouais. Ligne 6, numéro 3. Le King Goku SSJ3 agilité. Ok. Bon, du coup, ça va être à ton tour. Bon, tu m'as récupéré Gotenks, mais c'est le seul technique. Oh, pff. Oh, mec. Ligne 1. Numéro 5. Ouais. Ah non, putain, je croyais qu'il allait me sortir le numéro 1, gros. Mais j'ai peur de Gogeta, moi, surtout. Gogeta, c'était numéro 2, et là, c'est le Goku, Kid Goku Junior. Ok, Intelligence 100%. Okay, okay. Enfin, le Goku Junior, parce que le Kid Goku Junior, ça veut rien dire. Ouais, je vois les mecs. Ok, vas-y, ben, ok, c'est à moi. Ligne 1, non, mais... oh lol. Ouais. Numéro 3, ça va, c'est pas... C'est le Whis Intelligence, ok. Ça, mec, j'ai eu peur, j'en dirais, mais pas encore, quand même, c'est pas possible. Moi aussi, j'aurais bien rigolé. Pour toi, ça sera la ligne 16. Donc, c'est la ligne où t'as déjà tiré un. C'est Louis Sagi, je crois. 3, 4, 5, 6. C'est Louis Sagi. Ouais, et je crois que tu vas le retirer. C'est le numéro 3 que je te tire. Non, le 3, c'est Broly Endurance. Oui. Ouais. Je tire souvent celui-là, hein, ces derniers temps. Je tire souvent, ouais. Pourtant, l'ordre a changé. Alors. Pourtant, l'ordre a changé. Ligne. Oh, ligne 1. Oh, c'est chaud là. Numéro 5. Couleur technique, ok, ça me fait un tech au moins. Ok, bah moi j'ai mes 6 persos. T'as tes 6 toi ou pas encore? Non, on manque un. Ok, donc pour toi, ça sera la ligne 1. Ah! Numéro 1, MDR! MDR! Mec, c'est ouf quand même! Numéro 1, t'es sérieux? Numéro 1, ouais, on a eu 4 fois tout retiré. Mec, faut. En gros, ça fait 10 minutes, on refait tout. Faut que je te tire 6 personnages là? Ouais, c'est ça! Putain, c'est insane! Oh, moi ça me régale, parce que j'ai avec des personnes merde. 22. Goku Agi Kaioken. Ok. Pas le Dubaï, le pourri. Non, le pourri, ouais. Ligne 23, numéro 5. Mais gros, t'es sérieux? Numéro 5. Le Goku Intelligence Super Saiyajin. Ok. Ligne 15. Mais putain, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah c'est une ligne juste en dessous du Whis. Hein. Ouais. Ouais. Numéro 1. Couleur Endurance. Très bien. Très bien. Ligne 7. Nous n'irons rien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Le numéro 4. Gogeta Puissance. Ligne 1. Ah oui. Numéro 5. Kid Goku Junior. Goku Junior Intelligence, de nouveau. Ligne 20. 23, 22, 20, ouais. 5. Le Goku deux doigts des deux ans. Ok, t'as tes 6 persos, là? J'ai mis 6 persos, on peut retirer. Ok, moi je vais retirer le... putain, je sais pas. Je vais retirer le Kid Goku SSJ3. Ok. Agilité. Du coup, tu vas à la ligne 14. Ok. Et au numéro 2. Pff, ouais, je crois que je préfère le Kid Goku, c'est le baby, tu sais, le baby végétal, gratuit. L'intelligence? Ah, gratuit. Ouais, encore pire. Alors toi, tu retires qui? Moi, je retire le Goku Agi du Bled. Goku Agi du Bled, yep. Ouais, d'abord. Ligne 19. Putain, mais 23, 22, 21, 20, 19. Et ça sera le numéro 2. Imagine Vegeta Tech. Pff. Ouais, pas terrible. Bah, je le retire. Ok, ligne 4. Ah, déjà, c'est un peu mieux là-haut. 1, 2, 3, 4, ouais. Numéro 5. Jubai Kaioken. Ok. Ok, ok. Jubai Kaioken. C'est un bon pic. C'est un bon pic. Par contre, mon comment ça s'appelle, couleur, je sais pas ce qu'il branle dans la line-up, bah, il se sentir tout seul. C'est le seul extrême, et puis là, zéro putain de lien. Mec, faut qu'on fasse les nombres, entre 1 et 3. Ok, vas-y, donc je montre un chiffre. Ouais, montre un chiffre, moi je suis en train de montrer un chiffre aussi.
Ok, vas-y, j'ai montré un chiffre. Tu penses que j'ai montré le combien? Le 3. Non, j'ai pas montré le 3. Toi, je pense que t'as montré le 3. Oui! Je gagne sur ça. Alors pour, en plus, pour ceux qui savent pas, sur la vidéo que j'ai pas pu vous mettre, j'avais perdu sur ça et tu m'avais, te rappelles, tu m'avais tiré un mini-leader aléatoire et j'avais eu de la merde encore. Pas Célie, pas puissance, ouais. Mais j'avais eu de la merde quoi. Ouais. Écoute, je vais te tirer au sort ton ton malus, mais du coup ça risque de piquer à mon avis, hein. Sauf si t'as le malus 3. Et t'as le malus 1, donc je vais pouvoir t'enlever un personnage de mon choix et te mettre un personnage de mon choix à la place. Mais putain, mais non! Mec, rappelle-moi ta team s'il te plaît. Couleur endurance, ouais. Goku Junior, ouais. Goku des 2 ans, Jubai, Gogeta puissance et Goku SSJ okay. Intelligence. Je vais t'enlever Gogeta puissance. Putain, j'ai la leader et tout. Dis-moi, t'as qui comme personnage bien pourri dans ta box? Bien pourri, ouais. Bah, j'ai Famoso Sabaman puissance, ouais. Par exemple. Kulisa, je pense que ça pue un peu la merde. Pan abeille. Et ben. Vas-y, tu vas prendre. Oui. Vas-y, dis encore. Je sais pas, le Trunks GT possédé là. Mira, Towa, le Tout-Puissant. Tu vas prendre. Bah, tiens, tu vas prendre la Pan Abeille. Je te sens bien partir avec la Pan Abeille. Le Cyberman, le fameux Cyberman, tu l'as tiré plein de fois déjà. Donc, tu vas partir avec la Pan Abeille. Espèce d'enfoiré, va. Putain. Attends, je suis gentil. J'avais un leader. On a des liens. J'avais un leader et tout. Putain, j'avais Kipus 3. Je partais avec SVB. J'étais tellement bien. Ah, t'étais pas mal, hein. C'est vrai que t'étais pas mal. J'étais tellement bien, putain. Écoute, moi je pense que je vais partir avec SVB, justement, en ami leader. Est-ce que celui-ci est sexy? Ouais, il est plutôt sexy. Écoute, est-ce que tu es prêt? Du coup, t'as mis qui en leader vu que le Gogeta a sauté? Bah, ce que je suis en train de regarder, je crois que je vais devoir mettre le Goku des 2 ans. Ah ouais, on passe quand même de Gogeta à Goku des 2 ans. Mais sachant que le lead de ce Goku des 2 ans, attention, on s'accroche bien, hein, c'est qui plus 2 attaque et défense plus 1%, 6 PV à 30% ou plus. D'accord. Ouais. J'ai pas mieux. Bah après t'as Kula mais il est tout seul quoi. Bah y a pas un seul endurance dans la team. C'est ça quoi, c'est compliqué quoi. Non, c'est assez compliqué, putain, j'avais Gogeta, j'étais tellement fou, j'étais tellement bien, putain. Ah putain. En vrai là ça m'énerve, hein. Ah on peut dire que ça t'énerve, ouais je pense. On peut ça dire pense, que aux pense aux objets du coup. Moi les objets c'est bon. Écoute, moi je lance. Hop. Oh putain, t'as tout cassé ou quoi? Non, pourquoi? Bah mec, j'ai entendu un bruit trop chelou. Non, okay, j'ai jeté mes clés USB. Est-ce que tu peux me rappeler ta. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que tu peux me rappeler ta team? Alors, Gotenks SSJ3. Couleur technique. Donc c'est les deux seules techs que j'ai. Ok, je suis parti avec Gotenks SSJ3 en lead. Piccolo TUR, celui qui se doca dans LR. Whis Intelligence, Baby Vegeta, le gratuit, qui n'est même pas doca dans TUR. Le Goku, puissance et un Vegeto Blue en ami leader. Ok. En vrai, ça okay, casse pas 3 patins carrés non plus. Hein. J'ai 114 000 HP. J'ai 101 000 HP. Ok, ok. Bah écoute, je vais te donner le top départ. Donc let's go, 1, 2, 3, c'est parti mon bro. Écoute, j'ai la première. Tu sais, j'ai de la chatte parce que j'ai la rotation directement avec Gotenks et Vegeto Blue. Oh putain. Donc autant te dire que je pense que le Broly il va pas faire mon feu. Ah t'es tellement bien là. Écoute, on vient de lui mettre une première attaque spéciale avec Gotenks à 400 000 sans crit. On est content. Ah là là là. Ça va être chaud, moi je tape avec couleur, je lui mets du 100 000, on est content. En vrai contre type c'est pas si mal hein. 107 000, waouh. Ok ok, moi j'ai enlevé une barre de vie. J'espère que je vais pouvoir le tuer avant qu'il me tape en fait. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Ah, la pain abeille a fait presque autant de dommages que les autres, hein, on est content. On est content, par contre, la rotation Jubai SVB est plutôt sexy. Ouais, ça va, ça va, ça va. Ça doit partir en spé, ça doit partir en spé, quoi, comme montage. Ça part en spé, hein, les deux à côté. Écoute, moi j'ai le Whis Intelligence qui est pas mal aussi, mine de rien, parce qu'il donne du ki en passif et il réduit l'attaque quand il part en spé, donc c'est pas si dégueulasse que ça aussi. Je vais mettre un 737 000 avec le Jubai, mais par contre, mon SVB 700 n'a pas 737 000. Ah ouais, d'accord. Donc en... Ah, et mon SDB repart en attaque spé, peut-être un critique, pas du tout. Du coup, ça me fait faire un tour de plus chez Lusam. T'as pas fait le kill encore? Peut-être que le Goku Intel va le tuer. Ouais, le Goku Intel l'a tué. Ok, ok. Moi, je pense réussir à faire le kill à ce tour-ci aussi, je pense. Si SVB veut bien mettre un crit. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas, a priori. Du coup, rip. Ah, je vais pas faire le kill à ce tour-ci. Non, en effet. Mon SVB qui a mis 8 coups en tout, hein, depuis qu'il est là, il a pas mis un seul crit. Pourtant c'est un gros SVB. Propre. Du coup c'est propre. Du coup je vais peut-être devoir mettre 2 tours tu sais pour le battre, même ça se trouve. Parce que ah ouais le temps d'avoir. Ah je sais pas.
Peut-être que mon Goku va réussir à faire le kill quand même. Oh, j'y crois pas, mais bon, on verra bien. On verra okay. bien. Du coup... bah, je suis à celle tech là, je pense que je vais le one shot avec le kill Goku Junior. Le Goku Junior. Ah oui, t'as le petit Goku Junior pour le sel tech qui va bien. En effet, ouais. Ouais. En effet. Ouais. Écoute, moi, oh, non, je l'ai pas one shot, j'ai mis 540 000 quand même. Bon. Moi, c'est bon, je vais réussir à passer Broly là. Du coup, je vais arriver contre le sel tech. Le problème, c'est que moi, j'ai une seule rotation qui met des dégâts. Alors qu'au final, toi, t'as deux rotations quand même qui mettent des dégâts. Vu que t'as le Goku Junior. Ouais. Après, le couleur, par exemple, là, je vais mettre un 240 000 quoi. Le couleur, il est vraiment en PLS. Ouais, bon, ça va, 240 000 quand même. Moi, mec, quand je pars en SP, je mets du 30 000 avec mon 800. C'est propre. J'aimerais bien mettre du 240 000. Je pense qu'on va le tuer sur ce tour-là. Ok. Écoute, moi, j'arrive au Celtec. Alors, je vais pas le tuer à ce tour-ci, mais je le tuerai au prochain tour. C'est une certitude. J'ai envie de te dire, heureusement que tu m'énerves en enlevant le Gogeta, parce que je pense que sinon, il y aurait eu un no-match. Ah oui, il y aurait eu un sacré no-match. Mais de toute façon, c'était un petit peu la saison des no-match, hein. Pour moi, en tout cas. Tout à fait. Un petit peu la saison des no-match, globalement. Bah... ça fait deux saisons que c'est comme ça. Peut-être que à tout moment je remonte. C'est pas impossible. Hein. Ouais. Écoute, je pense réussir à le tuer là, le Celtec. T'as réussi à le tuer toi, c'est bon? Ouais, moi je suis au bout tech. Enfin, au gros bout. T'es au bout tech. Écoute, j'espère que mon SVB va se réveiller. Hein, parce que pour l'instant. Pour l'instant, il est en petite forme. Ah, pour l'instant, il a pas mis un seul critique. Donc, on peut dire qu'il est en petite forme. Après, mon Gotenks, il met des très bons dégâts lui par contre. Allez, SVB là. Nice. Ok. C'est bon. On a buté le gros porc. Ok. Putain, j'ai pas réussi à le finir. Ouais, mais il reste plus grand chose, mais je l'ai pas fini. Il va falloir le terminer avec Goku. Si possible, ça va être compliqué. Ah, c'est compliqué quand c'est pas simple. Ah non, mais là, c'est pas simple du tout, là, mec. Là, j'arrive pas à le finir. Je n'arrive pas à le terminer, ce salopard de sel. En plus, je crois qu'il faut une spé pour le terminer, si je dis pas de bêtises. Il se heal, hein, je crois. Et en plus, il se heal, ouais. Bah, ça, là, ça va. Il a pas eu le temps de se heal en l'occurrence, mais. Ah, et puis pas en SP! Qu'il se heal, le Jean-Paul. Ok, 30 000, je prends. En fait, le problème, c'est vraiment que j'ai juste une rotation qui met des dégâts. Du coup, c'est pas terrible à ce niveau-là. Ah, mais la part en B, elle part en SP. Tu sais, tu aurais pu mettre une perso plus pourrie, je pense. Ouais, mais j'avais pas envie de te mettre le Famoso Saibaman. Je me suis dit qu'on allait rester quand même fair play. De toute façon, en soi, je pense pas que ça. Tu pourrais pu mettre n'importe qui. Je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Non, ce qui faisait mal, c'était d'enlever le Gogeta, ouais. Ça faisait mal, mais. Mais ouais, t'es un salaud quoi. Gogeta, Goku Junior 100%, ça allait bien quoi. Jubai à la fin aussi. Ah, le petit Jubai, on doit reconnaître qu'il a fait plaisir. Hein. Ah, tu m'étonnes. Sur Broly, il a dû faire plaisir en effet. Ok, mon SVB qui met un crit, quand ça sert à rien, ça y est, je passe enfin au bout. Ah, je l'ai stun. Ah, lol, je l'ai stun avec la pain abeille. MDR. Non, c'est pas possible, mec, arrête. Info sûr, j'ai stun Kid Buu. Plus jamais je te fais piquer la pain abeille. Elle carry. Qui l'aurait cru quoi? Bah pas moi en tout cas. Elle carry par la... Bon bah du coup c'est quand même un no match. Attends, c'est pas fait encore, c'est pas fait. Moi je pense que t'es tu, où tu peux... Là je suis à bout là. Je pense que tu peux mourir par une spé, tu vois, quelque chose comme ça. Ah, par une spé. Bah c'est le super 2 mec hein. Il va avoir Gogeta à passer et tout Ouais. Je suis pas... Bon, je pars en Dokkan mode moi. Ouais, moi aussi je suis déjà parti en Dokkan mode malheureusement. Oh, mais il est sérieux lui. Il transforme mon SVB en bonbon le Fatbou quoi. Propre. Bon, ça y est, je vais passer. Du coup, t'es au Goku SSJ3 toi là. Ouais, enfin, pas encore, je suis au Goku Endurance vu que je suis en Dokkan mode. Yep. Moi, je suis en Dokkan mode avec l'Intel. Donc, ah, mais ça c'est vraiment terrible d'avoir une seule rotation qui met des dégâts. C'est hallucinant en fait, ça te fait perdre du temps de ouf. Ouais, par contre, la spé du Goku Junior, mon gars, elle prend 8 jours. Ouais. Ah ouais, il tape dans toutes les parties du corps, hein, et puis sur tous les angles. Ouais, mais il met des bons dégâts quand même. Ah bah, il manquerait plus que ça. Il met des bons dégâts, hop. C'est vrai que c'est un bon personnage avant en de brush lui, parce que du coup, il met des crits à gogo, quoi. Ouais. Allez. Écoute, moi, je vais arriver au kit bon endurance, là. Mais le problème, c'est toujours pareil, c'est il me faut minimum de tours, en fait, pour tuer n'importe quelle personne. Bien, écoute, moi, je vais buter Goku SSJ3 AJ, là. D'accord, ouais. Donc là t'as bien pris l'avantage quand même, hein. T'as un boss d'avance là. Le Jubai vient de faire le boulot, il l'a buté. T'as Posé. Un boss d'avance, ça va être compliqué pour moi de remonter, si tu fais pas d'erreur ça sent la victoire pour toi. Hein. Eh bien ouais. Et encore heureusement que j'avais pas le Gogeta. Hein. Eh ouais non mais là avec le Gogeta c'était terminé. Pour ceux qui disaient que les passifs ça... Enfin que... comment ça s'appelle?
Les malus. Les malus, c'était trop fort. Là, pour le coup, il était pas assez fort. Ouais, et pourtant, c'est quand même. On parle du Seigneur Gogeta qui a été enlevé quand même. C'est pas Joel Clodo qui a été retiré. Ok, bon. Mon SVB va faire le kill à lui tout seul sur le bout endurance, je pense. Je me demandais si t'allais faire l'erreur de m'enlever le couleur. Ouais, je me suis dit que le couleur allait pas te servir à grand chose là en l'occurrence. Bah, tout à fait. Écoute, je viens de passer le kit bout endurance et il s'est fait one shot par SVB. Propre. Enfin, entre les contres et tout ça, c'est passé quoi. Donc là, on arrive au coup. Je suis à Janemba, je pense que je vais le one shot. Ouais, je pense aussi. Voilà, je pense qu'en plus on a le lien qui casse la barrière, donc bon. Ça devrait bien se passer. On devrait le one shot avec SVB, oui, ça va. Ça va aller. Peut-être que je peux le tuer, lui. Ouais, bim, un petit 900 000. Allez, bonne soirée. Sur le puissance ? Non, sur l'Intel. Sur l'Intel, oui, déjà, OMG, quoi. Je viens de buter l'Intel, moi. Ça va trop vite, là. Ça va trop vite. Je suis au prochain perso, c'est qui ça ? C'est SV ? Le prochain perso, c'est Gogeta. Ok. Moi, je suis au Goku et SSJ 3 agilité. Je vais le tuer en un tour, je pense, avec mon Gotenks. Ça devrait bien passer. Ouais. J'espère. Tu penses ? Bah, j'espère, parce que si là, moi, je mets 3 tours pour le battre, tu vas prendre trop d'avance. Après. Allez. Let's go. Bon, normalement ça devrait passer quand même. Là on va lui mettre du 600 000 je pense presque, 450, on était loin des 600. Oh putain, on l'a one shot. Mais non mais mec, t'as one shot Gogeta? Non, enfin, les sbires là, les Goku et machin, je les ai one shot avec mon Goku intelligence. Ok. Écoute, moi j'ai passé Goku SSJ3 là, j'arrive à Janemba. Ok, moi je suis à Gogeta. Ah bah oui, je pense qu'il va se faire one shot aussi parce que c'est le tour de Dubai. Oh MG. Voilà, Dubai, voilà. Ah, Dubaï, il va le démonter, c'est clair. Mais attends, mais t'as un Dubaï d'enfoiré, toi, non? En plus. Non, pas spécialement. Il est juste Pélisse, mais il est pas si... Non, je le joue même pas dans ma team. Ah non, je le one-shot pas du tout, par contre. Il a beaucoup de PV, quand même. Hein. J'ai fait 600 000. Et si Gogeta ne fait pas des... Végéto Blue ne fait pas de critiques, on ne va pas s'en sortir, monsieur. L'Eurototo. L'Eurototo des familles, quoi. Ah, mais merde, hein. Je me prends une SP, là, what the fuck. Waouh, il nous a mis 50 000 le gros Janemba, c'est beaucoup quand même. Quand il y a moyen de faire ça. On va quand même faire attention. Bah là en soi, t'as trop d'avance pour que je puisse te rattraper, sauf si tu fais de la merde. Ouais mais là on avait pas trop envie de prendre une spé sur de Gogeta. Hein. Ah, on a 100 000 HP. Disons qu'on est mieux sans prendre de spé. Hein. Tu m'étonnes. Moi Gogeta, je vais galérer à le passer vu que mon seul... Enfin, j'ai Gotenks, mais après, c'est SVB qui est censé faire le boulot, quoi. Autant te dire que ça va être complicado, cette histoire. Je vois. Ah, je pense que là, par contre, ça va être la fin des haricots. Oh non! Ouh, ça va. J'ai cru que j'allais passer en Dokkan mode avec le Whis Intelligence. Là, j'allais pleurer. Bon, heureusement qu'on lui réduit l'attaque, parce que sinon, on aurait pris très cher. Oh, nice. Donc, je viens de buter Gogeta. Tu viens de buter Gogeta, donc là, t'as... Gogeta, c'était celui directement près de Janemba ? Ouais, j'arrive à full power. Ok. Donc là, t'as encore pris un peu plus d'avance, quand même, salaud. Ok, hop. Alors... Après, en soi, si sur Gogeta, je chatte et je lui mets full critique avec SVB, c'est possible. Tout est possible. Tout est possible dans la vie. Moi, je vais arriver à Gogeta, là. Tu vas arriver à Gogeta ? Ouais. Ok, bah moi je défonce Lilian là actuellement. Ok, tu sais que Freezer Full Power il est putain de casse-couille en plus. Je sais. Bah je sais, je suis mort sur, sur lui récemment. Tu te souviens? Mec, te rappelle cette et spé... ça commence à casser les couilles. Il me bloque Dubaï. Cette spé à 700 000? Ah ouais, le famoso spé à 700 000. Ouais. Quand on a 80 000 HP, on est content. Hop. Ouais, j'étais pas bien. Bon, de toute façon, là, on a one shot. Hein. Donc là, on arrive au full power. Ah, et puis là, il m'a fait une pute. Alors là, je suis obligé de mettre. Je mets ça avec. Tu utilises des items quand même, obligé. Je prends zéro risque. Ah, mais OMG, l'esprit, ça commence à bien faire là. Mais alors, je vais prendre zéro putain de risque. J'ai mis un fantôme portier. Ouais. Le dernier d'ailleurs qui me reste. J'ai déjà utilisé deux.
On va espérer un petit stun de la part de Panabeille. Est-ce qu'elle va carry? Est-ce qu'elle va carry le rouet? OMG, je suis lent. Je suis très très lent. Oh, le petit critique de Goku Junior. T'es contre Full Power? Je suis contre Full Power qui m'a encore rect ma rotation. Donc, nique sa mère, je prends un Senzu. Cette fois-ci, pas de pitié. On va lui rouler dessus comme papa dans maman. Ok, moi je suis contre Gogeta, mais ça va être long pour moi de le tuer, sauf si je crit sur SVB, ce qui serait pas mal. Ah putain, il commence à compter. Mais ça peut aller très vite quand il compte. Ça peut aller très très vite. Mais ce qui peut aller aussi très très vite, c'est les doubles SP de Vegeto Blue. Et du coup, le fait qu'il soit décédé, voilà, ça peut aller très très vite aussi. Du coup, on passe à Gohan. Aïe 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 aïe, moi je peux pas partir en SP là, mon dieu. Il me reste deux boss à faire. Est-ce que tu sens le pâté un petit peu? Non mais mec, c'est insane, je peux pas partir en SP là, je sais pas ce qui se passe. Ouais. Ah non, je pars en Dokkan mode. Ah, je suis un retard, je pars en Dokkan mode avec Goku intelligence. J'ai même pas fait attention. Ah, il est stun, MDR, j'ai utilisé un item alors que j'avais stun, j'ai pas fait gaffe. Ouh, ouais, ça c'est bon ça par contre. GG ça, et ça se dit spécialiste de Dokkan Battle, GG. Non, je ne me dis pas spécialiste. Je t'invite à faire sur autre chose. Ok. Je sais pas, moi j'ai cru voir un tweet récemment. Je vais peut-être réussir à battre Gogeta déjà, c'est déjà ça. Je sais pas comment je les stun par contre. Donc à savoir que le Goku Intelligence en Dokkan Mode part à 200 000. Ah, c'est couleur qui les stun, ok. Heureusement que j'ai réduit l'attaque parce que sinon il aurait pu me buter, je pense là. De quelle couleur était-il? Il était vert. Ocre. Ocre. Vert de rage. Vert de rage. Oh là 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 là, il maîtrise. Écoute, je prends des risques, hein. Rendu, j'en suis rendu. Je prends des risques. De toute façon, c'est mon seul moyen de rattraper là. C'est le risque ou c'est le riot. J'espère qu'il partira pas en SP. S'il part en SP, je suis mort. T'es mort? Ah bah je suis mort, ouais. Ouais bah je prenais des risques en fait, je voulais jouer les contres de SVB parce que pour attraper j'étais obligé quoi. J'étais obligé et je me suis pris une SP de Gogeta. Donc j'ai pris du 80 000. On est content. Mais t'es mort là? Ouais je suis mort, ouais. Je suis mort. Contre Gogeta. D'accord. J'aurais largement pu ne pas mourir hein, mais je voulais essayer d'accélérer le truc quoi. Je voulais essayer d'accélérer. Ah alors couleur qui tape sur le bon type tape à 80 000. Bah ouais du coup au final tu vois, et au final t'es quand même champion de la saison. Et malgré le fait qu'on ait retourné l'épisode, c'était ça que je voulais dire. Donc vraiment, je crois que cette saison t'était destinée, mon ami. Eh bien, je crois bien. En même temps, bon, ça récompense les champions, quoi. On récompense les champions, c'est ça. Donc la prochaine saison, j'espère qu'elle sera pour moi. Écoutez les bros, la prochaine saison, ça sortira dans le courant de la semaine, je pense, directement hein, sur la chaîne de Susucre. Donc encore une fois, ouais. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui est dans la description. Et puis nous on va se faire plein de gros bisous. De toute façon on va se quitter ici. Il y a 3-2 au score des saisons actuellement. Donc Susucre a gagné 3 saisons, moi j'en ai gagné 2. La prochaine saison on repartira en Super 2 tout simplement. Et puis vous en saurez plus quand ça va commencer. Voilà voilà. Écoutez, nous on fait plein de gros bisous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu, les petits commentaires. Et on se dit à très bientôt pour un prochain Random Rush. Portez-vous bien, bye bye. Biscuits love peace.